Mbote na balali nyonso ya RDC Monde Télévision esengumi kokutana na bino mokolo molelo après temps ebele ya interruption bolimbi c'est parce que bozelaki biso déjà outo le 13 décembre pour certaines raisons techniques to ko servir bino te maintenant nous sommes de retour pona ko servir bino ko commenter na bino actualité mboka na biso ndenge ezali kolekela ndenge ezali ko salamela qu'est-ce qui se passe na mboka na biso qu'est-ce que nous devons connaître qu'est-ce que to ko participer pe parce que j'ai toujours dit ici to lobaka Congo na RDC Monde nous parlons Congo nous parlons pour l'intérêt du Congo pour le bonheur du Congo et du Congolais là où ça ne marche pas to ko critiquer to ko condamner là où ça marche on applaudit ensemble c'est comme ça que to ko tonga mboka na biso pour que batu nyoso ba sentir que za elengi ko bota ma congolais tous ana quatre sujets ko partager na bino mokolo molelo to ko lebela likambo ya All Congo Hold Up et je continue Kobima. Ma révélation ton dimato tout sous kanango wapi à suivre la carte d'émission. Oyo qu'est-ce qui est encore dit ni na sikabimi toko yo kanango carte d'émission oyo police rwandaise na collaboration nango na police congolaise pendant qu'on nous parle ici alors qu'il y a déjà un mémorandum signé na Kigali déjà entre les deux autorités ya ba police. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que le Rwanda veut réellement dans Bokana Bisso? Rwanda bungi sini na Congo, azulu réellement ni na Congo toko lobelango na kat na mission oyo. Na kat na mission o toko lobela ce qui se passe na FCC, na na kotika na nani et comme opération mwana mwana yebela kotoko lela kwanga. Toko lobela na kat na mission oyo enfin toko lobela menace ya président ya Sénat qui dit que ceux qui va respecter loi de finances 2022 et donc budget 2022. Ceux koto sama ndenge zate à porter plainte, à ça l'appelle la justice pour pas kanga ba oyo ba koto sa loi n'est pas parce qu'il faut yeba que budget et ça toute une loi et loi non c'est ça na infraction na kat nango ce que auto sangoté il faut des infractions to monaka la fois passé déjà les kambo ya ba délinquance terme délinquance alors to ko balon kat na émission ya mokolo molelo encore une fois bande ko balandier de Saint-Mont télévision bienvenue merci de vous abonner en masse merci pour beaucoup kabola émission oyo pour que vous partagez na kat na ba groupe na kat na ba statut merci parce que bozé belé oyo boko yeba na ko aimer ko likez peut commenter émission d'abusso mokolo molelo. Commençons par le tout premier sujet na outil koloba ke likamba Congo Hold Up. Ton dimate. Nani a zana raison na nazo kosa nani. Dezo kine na biso ti wapi. Detournement ngo kino mokolo nini. E koe ba na kosila. A ankuwa les dernières révélations. 530 millions détournés na Jekamine. Depuis 2012 kino 2020. Tango pepe a zo kende. Donc to zaki deja 530 millions détournés à l'époque. Nani a zaki pese ya Jekamine. Messieurs. Albert Yuma. Mais nous savons que dans l'intervalle où on a quelques mois seulement, il fallait que monsieur, l'actuel Premier ministre a comme qui ADG ou PDG il y a Jekamine. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout le qui t'a fouiné, t'a comprendre que dans le cas de dossier, ce sont des comptes fiscales. Donc, les gens qui ont avance fiscale, ils ont fait un impôt en avance, les gens qui l'État qui ont besoin quelque part dans l'entreprise, ils ont fait finance à Zui pour. Pour la raison fiscale, ne bon wane bima ki n'avance wana, ne depuis 2012 kino 2020, 530 millions. Ton dimate. Est-ce qu'Albert Yuma, bien qu'il y a longo na Jekamine, est-ce qu'il y a longo na Monde Amine? Non. Il faut savoir que Azo continue à gérer entreprise congolaise de cobalt. Azo gérer. Entreprise congolaise de cobalt, Kabila Kaya Kiango, Yepe Moutazaï Kogerango le Sousse. Mais qui a le moins de Jekamine, il a encore M. Deogres Mutombo, complice né de tout le temps. C'est lui qui est son allié. Il est facilité à détourner ma bambong et belé. C'est lui qui a créé ma compte fictif et belé la Banque Centrale. Mbongwan et Bima à travers Banque Centrale. C'est Deogres Mutombo qui a quitté gouverneur à la Banque Centrale. Mais est-ce que à Longwan, si un jeune, non, il est encore dans le conseil d'administration. Donc ce qui voudrait dire que ceux qui ont détourné ne sont pas encore totalement loin. Est-ce que mafia est ici dans le cannabis? Imaginez-vous 530 millions, les gens se sont tapés ça. Mais ton dimanche, ton dimanche, en croyant certaines révélations, on comprend que quelque part, de la machination bien sûr, quelque part ils appellent exagération, quelque part RFI comme Azad derrière Marambango, il veut tellement que à côté de sa bûche, le peuple congolais gagne quoi? Quand la justice congolaise ne s'en saisit pas, qu'est-ce que nous gagnons? En quoi ce sera encore important, dossier Oyo, il y a Congo Hold Up?
parce qu'il faut il aurait fallu que tout le monde a justice akota makambango alobelango alandelango abetata c'est to kongata mutumoko bakangira makambango. On arrête personne, on interpelle personne, on menace personne. Tout le monde est mutumoko za convoquer te pour makambango ba révélation. IGF qui contredit ma révélation et Bimaki. IGF qui nous dit que non, Kabila n'est même pas lié ni de loin ni de près makambango ya BGF Bank. Donc déjà, ça crée déjà une contradiction. Maintenant, est-ce que c'est important de continuer avec l'Andelango? Donc, il y a question de tout le monde qui va réagir. Tu es congolais, cette histoire te concerne, 530 millions de dollars, c'est un bon bébé, et quoi que tu as commis d'école, ce qu'on a bêté moi machine, et ce qu'on a bas école, et bien sûr, tu as l'école, moi, tu as consommé à 500 000 francs, 500 000 dollars plutôt, pour la bas école, donc tu as plus d'un million d'école. Donc, c'est que vous devez dire que les bas, les bas, les bas, les conditions normales, gratuité, enseignement, et les bas, souffrir, et pendant qu'on nous dit aujourd'hui que Biska Kotcha Baneza te ba école les a inondé surpeuple et Kinshasa Moulezo inondé batou donc Moule beta kinabutu o beta na tongolelo combien de quartiers a inondé. Mais cet argent là on a servi na misale bele na mboka na biso ukuta batou na koemboy mai non do lobi na niveau sa yo mai comme tina niveau ya 1 mètre. Donc tu t'imagines donc degré ya Moule sali wana na butu na beta na tongolelo tout ça. Même il y a un groupe de gens où bah s'accaparer richesse dans Bokanabiso, fortune dans Bokanabiso, et ceux qui sont venus avec les Kamboya état de droit, la justice amorphe, la justice inactive, papa de Siaboy na bamboka mususu, quand on révèle comme ça, il y a des personnes qui sont déjà automatiquement interpellées, des personnes qui sont automatiquement convoquées à la justice pour bah ko samba bah ko lobaka quelque chose. Mais la RDC ce n'est pas le cas, la justice est amorphe, la justice inactive, juste à ce c'est pas foutre mbongo belé. Donc magistrats, c'est pas foutre des millions. Mais ces millions-là sont détournés à gauche, à droite. Il y a quoi l'endélango, il y a quoi dans le trésor public pour que le peuple ne foute bien. Non, il est là, amorphe, il ne fait rien, mais Azo est là. Bon, écoutez, quoi, par quel mécanisme? Quand il y a des gens qui détournent, dans le cannabis, déjà ceux qui, une seule entreprise, et 1530 millions, vous savez, il y a une entreprise générale de cobalt. Bisika, you mazalaka. Parce que là, on parle de la GKM, mais Bisika, il y a une entreprise générale de cobalt. Combien, Bimipe Kuna, combien, qu'est-ce que cet argent-là fait dans Mboka Labusso? Rien. Makamokutu ya Ram Awa, justice, Afandi Neki, Awo Kipangote, parce qu'on a une justice qui ne fait pas son travail. C'est voilà pourquoi il faut des réformes. Donc, nous sommes tous croire dans Bilo Kwango, tout croire, tout ce qui est dans est-ce que Batou Bazo réveille Bilo Kwango pour se retenir Bangote? Parce que là, ça tourmente le peuple congolais. Tant que ce soit ma psychose, tu continues comme tout, mais bon, belé boy, bon, belé boy, bon, belé boy, mais bon, belé boy, je ne suis pas banane. Na poche à battre, na ma benga battre. Donc voilà, c'est ça le Congo. Un Congo, un pays riche, mais population très pauvre. Mais les dirigeants, archi riches. Donc, les dirigeants, ils sont plus riches que Congo Yamoko. Les gens qui nous ont dirigés pendant 18 ans sont plus riches que le Congo. Ils sont des multimilliardaires alors que le Congo continue à s'endetter. Même dans la lutte contre la Covid, on doit avoir des aides financières. Même dans le Kotonga, il y a les Rwandais qui nous proposaient Kotonga Labiso village. Rwanda a proposé Kotonga Labiso. Le même Rwanda revient encore, et son Abiso Tokota, deuxième sujet, et ils ont sur Rwanda, ils ont prêt à collaborer dans la police Sambo Kanabiso. Finalement, chers compatriotes, on ne comprend plus rien. Un mémorandum signé entre les deux polices. Pour la collaboration, pour la lutter contre la criminalité na Est, surtout na ville ya Goma. Vraiment. Même ceux qui sont en Koloba, même ceux qui sont en fans de Kimia. Est-ce que le Rwanda a oublié quelque chose dans Bokanabus? Qu'est-ce que le Rwanda a réellement oublié dans RDC? Qu'est-ce que le Rwanda recherche toujours dans RDC? On ne comprend? On ne comprend rien. C'est vraiment grave. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons des écoles de formation des policiers dans Bokanabiso. École na Kasangulu Eza, école na Goma Eza. Il y a beaucoup d'écoles qui ont formé les policiers dans Bokanabiso. Cet argent, cette collaboration-là, ils ont Senganine pour former des policiers dans Bokanabiso. Et Senganine, recruter des diplômés, ils sont nombreux qui veulent peut-être servir la nation, mais seulement parce que l'opportunité n'a pas mis la bangote. Il y a des policiers dans Bokanabiso qui sont policiers détenus, qui ne sont même pas reconnus par l'État. Pourquoi ne pas formaliser ce choix à Bango, les impliquer dans la gestion de la police, les impliquer dans la Makambo Yakimia dans Bokanabiso, comme attraquer ma criminelle. Donc ce qui nous manque, c'est quoi au juste? Pour que même le petit Rwanda soit toujours prêt à nous offrir ses services.
Pourquoi ce sont les Rwandais qui doivent nous proposer des services? Pourquoi c'est le Rwanda qui doit nous dire ce que nous devons faire au Congo? Pourquoi c'est le Rwanda qui doit nous dire ce qui doit se faire au Congo? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi c'est seulement nous qui devons servir les autres? On peut faire des comparaisons. On a dit, il y a des gens qui nous disent, Mbisso Natango, il y a guerre entre Libye et Tchad, Tosungaka, Tosutenaka, Yusanabre. Mais c'est vrai, c'est nous le Congo, quand même, c'est quand même un grand Congo. C'est normal. Mais aujourd'hui, doit-on demander même soutien à la police? Il y a Rwanda na mboka na biso. Non. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Pourquoi ne pas donner des moyens, mettre des moyens pour la police na mboka na biso? Pourquoi ne pas mettre des moyens? Et moi je me demande pourquoi nous devons rester un pays demandeur, un pays kaka oazo senga lisungi, sunganga ye salisanga. Non, c'est pas ça. Pour le grand Congo comme nous ne méritons pas ça. Les Congolais ne méritent pas ça. Moi, je pense que l'autorité dans Mboka na biso, jamais les députés qui ont même demandé un ministre à l'intérieur, à qui l'Assemblée nationale, a expliqué Bango pourquoi cette histoire, à quoi ça sert, pourquoi c'est seulement le Congo, pourquoi le Congo a demandé aide à Rwandais. C'est vraiment, c'est un peu désolant, bien sûr, c'est un peu triste. Certes, quand on n'a pas de moyens, on peut demander le soutien, on peut demander l'apport des autres. Mais est-ce que nous sommes faillibles? Parce qu'il y a des points sur lesquels ils ont senga intégrité à Mboka, ils ont senga ils ont sécurité, bisika oyo ils ont senga tout à katolo, ils ont bisika sécurité. Mais on ne va pas à tout moment dire que nous avons des limites. Bisoka quand il faut tous à la aider, tous à la soutenir, tous à la assister par Batumosus. Non, on a aussi le temps de travailler nous-mêmes, de le faire nous-mêmes. Troisième point, le FCC, qu'est-ce qui se passe dans le FCC? Qui est qui? Kune comme opération moi na ibela côté ole la kwanga. Mpia ke beti ntobaka tous bato wana que mpia ke beti bango tango mpia ke beti bango tikana ibela. Pour ça l'opposition ça peut être. Donc ça li 18 ans en pouvoir, mais là il faut ça l'opposition, même pas une année. Maintenant cette opération moi na ibela côté kokende. Je ne parle pas qu'il y a un débauchage, je ne crois même pas que ce soit un débauchage. Ce sont des gens qui viennent adorer eux-mêmes, qui viennent solliciter, qui viennent réclamer, qui viennent toquer la porte. Nous voudrons, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que FCC, qui a crié il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez lors de Marche Basalaki dernièrement, Oizaki Basalaki Coalition, Bloc Patriotique, Marche Basalaki, il n'y a pas longtemps. Tant que Basali marche. Tout le monde, maintenant nous allons démontrer que le peuple est avec nous. Maintenant que Basok Abouana, Basok, peuple Zanane. Peuple Zanane. Vous comprenez que la population est un politicien, Moranabiso, Azabuntuya, Keba Keba, le loi Betelibino, Masolo Boye, Abisibino, que le peuple est avec lui. Le même peuple qui le soutient, qui lui disait qu'il défendait. Baouti Kosala marche il n'y a pas longtemps contre Biro Kadima. Non à la CENI politisée. Non à la CENI de Nikadima. Non, Toboy. Mais voilà que c'est aujourd'hui les mêmes personnes qui commencent à aller naba ndenga bango système à Nicodème. FCC est un système à Nicodème. Donc, Nabutu, Bazongeli, ils sont prêts, tous prêts à intégrer bureau, intégrer ma poste à Nabusso, na plénière Yasseni, tous les trois six postes y a opposition, nous sommes prêts, quelques-uns, et même comme il y a Bakassik, un devoir nous a été donné, les cinq caciques, au Bazo détruire FCC, parmi les cinq caciques, on nous dit que ce sont des professeurs, un du Bandundu. Deux sont du Grand Kassai, un de Maniema, l'autre du Sud Kivu. Ah, ce sont ces cinq-là, les cinq caciques. Devoir à domicile, Bapé Zagibusso. Les cinq caciques, Oyebazo, Bazo ruiné FCC. Il faut tout le monde en théorie à ba cacique. Tout le monde en théorie à. Oh non, Bissonde. Tout le monde en théorie wana. Tout le monde en idéologie wana. Les cinq caciques. Et c'est comme ça que FCC est comme au Bundana. Parce que les cinq caciques ne veulent pas céder la place. Baza d'accorder, n'a proposé à Moussoussou, il y a un courant de révolutionnaires. Mais il y a des gens qui hier n'étaient même pas dans le courant de révolutionnaires. Baza qui n'a courant, il y a un cacique. Maintenant, c'est un autre courant qui se crée, qui se fait, qui n'est ni pour les, qui n'est pas avec les révolutionnaires. Où ils appellent Soussou, n'a pas cacique. Et créer courant Moussoussou. Donc, tu es bien en FCC Nini. Réformé, oh, FCC Nini. Nouvelle marque, oh, nouvelle affiche. Tu es bien. Donc, bon, le calendrier, comme on est vraiment compliqué. Courant Moussou et FCC. Troisième courant de FCC. Parce que tout le monde, tous ces courants-là, ils sont fidèles à l'autorité morale.
Tous ces courants-là attendent décision de l'autorité morale. Lui qui ne parle pas. Il y a que Nyoso, Ebeba, Ebongae, Ezika, Ebikae, Nyoso et Taliete. Silence n'est kaka. Même si le silence de Joseph Kabila nous apprend plus, mais quand le silence est aussi débordé, ça devient un silence coupable. Un silence coupable. C'est maintenant là qu'il doit se prononcer pour savoir qui, avec qui est-ce qu'il veut marcher. Dernier point, il y a Emisson Abissomo Kolomalelo, le président du Sénat, il martèle, il dit, la loi des finances 2022, il faut la respecter à la lettre. Mouton qu'on respecte en côté à contradurier en justice. Il menace qui? Azo Vizenan. Premièrement, il faut savoir que selon le Sénat, dépassement budgétaire en 2021 est inacceptable. Il n'a pas accepté, il n'a pas toléré que basse le dépassement il y a Bélé Bongo na budget 2021. Il trouve ça anormal. Oui, c'est bien aussi pour éviter ma délinquance. Délinquance oh il va bateau bazo par rapport ba quatre lignes budgétaires. On suppose que quand il y a un département, un service, un ministère ou donc une institution ba quatre budget, il faut saler là, il faut s'organiser en toute responsabilité, utiliser montant au ba quatre lignes. C'est ça aussi la valeur d'une institution, c'est cela aussi la valeur d'un parti, d'un ministère ou d'un groupe d'individus qui gère. Parce que quand vous ne savez pas gérer ce qu'on vous donne, vous devenez moins sérieux. Tout ça, ma maman n'a pas parlé. On peut s'y budget, bon, on peut s'y à gérer au ana. Mais soit qu'il y a un dépassement, et comme le col détourne, au ana, joue ana, à dépasser, à joue api. Il était prévu par exemple 20 millions na service na yo ton budget na yo. Mais comme il y a 25 millions, 5 millions na yuti, wap. Donc la mesure de justifier les 5 millions de dépassement que outa wap. Et ce qui yo c'est li ngona service na yo. Ce qui voudrait dire qu'il y a un autre service où il fallait qu'il ait bénéficié na 5 millions et bénéficié en société. Et comme ça, c'est comme ça qu'il y a des programmes qui sont à léthargie. Voilà pourquoi il faut que les dirigeants se prennent au sérieux, respectent la directive ou directive de PC Bango. J'ai aimé cette décision. Il y a M. Bahati Lukwebo qui veut mettre comme de l'ordre dans la gestion de la finance Tambo Kanabiso. C'est ça aussi de l'ordre, ça aussi le sérieux. Pour ce que le système, il y a Moutnamoutou à gérer Mbongo Nengayalingi, Moutnamoutou à faire Mbongo Nabiso Nengayalingi. C'est parce que Mbongo à l'État, Ezak poche Nangaïté, Ezak poche Nayoté. Donc, c'est pour des fins bien déterminées, pour une utilisation commune, et ça doit servir à la nation. Mais ce que Baniko Kinaba dit pas, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et là, il a été clair. Parce que tout le monde va dépasser et comment est-ce que tu dis? Non, il ne veut pas dépasser. Non. C'est quand même c'est pas aussi sérieux. Même ceux qui c'est vous qui gérez. Maintenant, vous générez la recette. Il faut profiter de tout le monde. Quand il y a des services qui consomment plus, qui deviennent plus budgétivores que d'autres. Et ont créé des ordres katikat na gestion et finance en Bokanabiso. C'est ça, cette décision. Et je crois qu'avec le remaniement qui est en vue déjà, le remaniement du gouvernement d'ici début année 2022, il y a un remaniement du gouvernement qui est en vue. On a besoin des warriors qui sont plus warriors que ceux qui sont là. Pour ça, il y a plus combattants que Bao Bazana. Donc, je crois que beaucoup de choses vont se réformer. Surtout, le monde est là, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, partout. Quand le niveau du Sénat a débouché, il faut quand même qu'il y ait du sérieux, de l'ordre dans ma caméra, soit dans la gestion, ça va nous aider. Surtout, quand il y a un gouvernement, vous sentir qu'il y a des ministres aujourd'hui qui se permettent de tout faire. Quand un ministre, gouverneur a démissionné, gouverneur a destitué Yemoko, donc a passé sur intérim, sur base de quelle loi a vu. Donc, tout ça, cette cacophonie-là, et je sais que le pouvoir devient fragile. C'est le chef d'État qui va répondre de tout cela d'ici 2023. Pour tout comme on a point où on voilà pourquoi c'est très important et quasi important que Bissoba Congolais Toyeba. Tcha ordre à travers ma dirigeant Nabiso, tcha ordre déjà même la finance n'a pas moyen mboka. C'est comme ça le Congo va se développer. J'ai toujours dit, si vous avez aimé cette émission,
dites merci à bao nyo so basungi biso na technique, dites merci na bao basa disibiso, dites merci na na yo oyo olande biso. Je te dis merci. Merci beaucoup pour na mokolo molelo. Le prochain rendez-vous est déjà pour très bientôt. Très bientôt sur la même chaîne, même fréquence. Bon, pas de l'homorité. Nous sommes là pour vous servir, vous donner l'information, commenter ensemble avec vous l'information. RDC Monde New Look. Merci beaucoup à Bamambra Nosuya, RDC Monde, Oyba Sungibiso, tout reprendre. Merci pour à Port Nabino. Merci pour le soutien à Bino. Merci à la présidente et l'association, Maman Pauline Lumumba. Merci à la bande de Gognos, Maman Nibiso. Commentez, aimez, likez, partagez cette émission. Vous ne serez jamais déçus. Merci et au revoir. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande konanga kotonga mboka esengika bolingo bino moko bomoni transparence to laxibino kote mbongo moyibe yate lokuta pe ezate alors boya to sangana to tonga mboka na biso le grand Congo. Merci malobaya présidente RDC Monde Pauline Lumumba.